Hey, la S Family, je vous ai trouvé. Enfin, depuis le temps que je vous cherchais, vous n'aurez jamais dû mettre votre adresse sur cette vidéo. Saran, j'arrive. C'est toi, Sandar? Oui, c'est moi, je suis arrivé! J'ai pris les boosters pour faire une ouverture Pokémon! Chouette, t'es rentré! Tu m'as pris quoi? Je t'ai pris les boosters, c'est rugissant! Sous blister, comme tu les aimes! Yes! Mais c'est quoi ce sac? C'est Liz qui me l'a fait, tu connais? C'est mon Pokémon préféré! Eh, c'est lui aussi! Mais non, toi, c'est ça la mèche! Ah oui, je suis bête! Oh là là! Hop, c'est bon. T'es au point? Ah, t'es au point, ma petite Sandar. Impeccable. Ah, c'est super sympa de m'en ramener des boosters, en tout cas, je suis très content. Tu les as trouvés où? Rires.
Ben, je les ai trouvés dans la sacoche, alors que Liz me les a passés. Je les ai pas achetés, alors. Ah, bah non, les gens, on a fait une intro, on sait pas pourquoi. Je suis content d'accueillir Pilou sur la chaîne, et du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux ouvrir comme truc Pokémon? Et je lui ai dit, c'est le rugissant, forcément. Je lui ai dit, c'est ceux-là que je veux ouvrir, d'accord. J'ai dit, ok, on va les ouvrir, c'est ceux-là rugissant à la con. Du coup, j'ai ma petite liste ici de ceux-là rugissant, et je vois qu'il me manque quand même. Il manque un paquet de cartes. Ouais, il me manque quelques cartes pas rares d'ailleurs. Mais il me manque surtout les ultras, forcément, les ex, et quelques holos. Écoute, Pilou, ça me fait plaisir, ouvre en premier. J'ai ramené des petits ciels rugissants. Tu sais ouvrir des cartes? Pas du tout. D'accord, c'est que des boosters sous blister, on va tous déjà les enlever des blisters, et on vous retrouve juste à... Prêt. C'est parti, du coup, on a tous nos boosters. On va jamais y arriver. C'est toi qui me fais rire, ou quoi? J'ai rien. C'est... Ah, moi aussi, j'ai des fous rires tout le temps. Le partage des cartes est fait. On s'est décidé, hein. J'ai pris les petits boosters, lui, de toute façon, il a pas eu le choix. On commence par lequel On va commencer par lequel? Il y a un Deoxys, qui est sûrement moi mon illustration préférée. Un Rayquaza, ça c'est un Galam, je crois, alors peut-être Mega Galam, je sais plus du tout. Mega Latios. Et comme d'habitude, c'est un duel, c'est-à-dire que bah, celui qui a la meilleure ouverture a gagné le duel. On rappelle qu'il y a deux secrets dans cette série, l'échange d'énergie et le Cherche VS, qui sont deux dresseurs secrètes. J'ai déjà le Cherche VS. Ok, donc voilà. Après, il y en a des superbes, il y a des dresseurs Full Art, la Timmy Full Art et la Alizée Full Art. Pilou, quelle est ton illustration préférée, toi? C'est la Rayquaza, du coup, je vais l'ouvrir en dernière. C'est parti, à l'époque, c'était 1-2-3-1-2, parce que là, on ouvre de l'assez ancien, du XY, pas du début mais presque. Il y a eu quand même Primo Choc, Double Danger, Vigor Spectral avant, Étincelle. Je connais rien, moi il me parle chinois. Moi je lui parle asiatique. Donc c'est parti, Pilou va nous ouvrir ça et on va voir un petit peu qui c'est qui gagne. Toi t'es pas très Pokémon, t'es plus Magic à la base. Ouais, à la base, ouais, carrément. Et un maximum de pouces bleus pour Pilou qui est sur la chaîne. Ça lui fait plaisir. Non, ça me fait pas plaisir. D'accord. On a un petit passe rouge là. Qui est mignon, hein, devant son petit auto. Voilà, c'est une carte plutôt commune. Hein. Ouh, le chenipote. Attention. C'est ton pote? Non, c'est pas mon pote. Ah. Le petit Nirondelle. Un Dynavolt. Alors celle-là, je l'avais déjà vu en fait. Alors moi, j'aime beaucoup les Pokémon électriques en fait, de base. Celui-là, il est vraiment stylé quand même. Hein. Oh, un petit Drabi. Type dragon. Attaque coup de boule sans fin. Alors, lui, tu peux comme Exodia le maudit, tu vois, sur Yu-Gi-Oh! Lien spirituel Rayquaza, Scorvol. Yeah! Oh, il est moche! Ouais, c'est vrai que le Colombo, hein, il est pas très. Jojo. Il faut dire ce qu'il est. Il est pas Jojo. C'est pas Jojo. On va pas le mettre sous cadre, hein, celui-ci, c'est clair. Ah non, non, non. La Reverse, très bien. Donc, un Articodon. Là, avant la rare Ultra. Eh ben, je suis très content. C'est un Articodon et Articodon, oiseau légendaire des tout premiers animés de la toute première série Pokémon. Exactement. Vraiment cool. Et tu as une simple rare. Une simple rare, ok. Donc, Branette. Donc, l'image, par contre, elle est carrément sympa. Hein. J'aime beaucoup l'arrière-plan, en tout cas, il est vraiment cool. Premier booster pour toi, une simple rare. Une simple rare. Et une simple Reverse. Peut mieux faire au prochain. Ah, bah, pour l'instant, si tu veux gagner, oui, parce qu'on a forcément une rare. Ce sera sur le Rayquaza, de toute façon. Brutalibré, donc, pour le coup, lui aussi. Si je le connais, hein, il fait partie de l'animé, c'est un Pokémon. Exactement. De Sacha. Et donc, c'est un Pokémon très cool dans l'animé. Ouais, moi je l'aime ouais, beaucoup. Ouais, ouais. Il a une personnalité très sympa. Très sympa, ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Du coup, il a l'avantage d'être un Pokémon combat et vol. Oh, un petit mini Draco. Oh, un atout. Alors, c'est une Alpharte, on appelle ça. Illustration déborde. C'est vraiment sympa en tout cas. Un Goélis. Oh. Moi, c'est pas un Pokémon que j'apprécie outre mesure. Ah, c'est une mouette quoi. Encore un passe rouge. Oh. Un Normulis. Foulard apaisant. Une carte que je joue beaucoup. Scorvol, de nouveau. Ah, alors lui, je l'aime beaucoup, Absol. Il est grave stylé ce Pokémon. Donc, un Pokémon ténèbres hein, qui est aussi un type super sympa. L'illustration, elle est juste magnifique quoi. Elle est vraiment pas mal. La lumière sur le côté, la position un peu de tête de. Ouais, quand je me retiens comme ça, est plutôt classe. Ouais. Et t'as de la merde. Non, mais... Une simple rare. Bon, c'est un Flambusard, hein, du coup. Ouais, bah, super, une buse. Qui est le... Ouais, une buse. De nouveau un Brutalibré. Alors, j'ai le chic pour... hein, pour choper... Putain, tu chopes beaucoup de doubles, hein. Alors, ouais, en même temps, la série, il y a quand même... Bah... D'habitude, dans les ouvertures de cartes, j'ai remarqué, vous avez pas souvent de doubles. Je suis déçu de toi. De moi? Ouais. Moi, je suis déçu de tes boosters. Mais... Ah bah, c'est pas moi, mec, tu les as choisis, les boosters. Ouais, mais tu les as achetés. Encore un Goélis. Allez, au fond, chier. Ah, là, un Sepiatop. Donc, pareil, qui est un Pokémon de la Team Rocket aussi. Exactement. Look at this. It's your favorite, a croissant. Our friendship began with this. You've got to remember and come back to me. Et avec justement le petit Mieux derrière. Un Togepi carrément. Trop mignon. Ouais, Pokémon bah, du coup un Pokémon fait. Le Pokémon œuf que Kondine récupère du coup dans exactement. La série. Hein. Un œuf. Oh. Et bah du coup son évolution direct, bim le noix de coco. Et c'est classe parce que du coup là t'as le petit Piafabec à côté du œuf qui est un peu les martyrise et il évolue ça, et il martyrise. Bim, vas-y. C'est pas mal fou ouais, tout ça. Franchement c'est sympa. Encore un Piaf. Du coup là c'est un déflaisant. Ouais bon. Exprint. L'évolution de Dynavolt
Thunderbolt hein, qu'on a eu précédemment. Le Scorplane en reverse. Pas encore l'Articoda. Hein. Que tu as eu en reverse tout à l'heure. Bon, et eh ben écoute, mon coco, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. C'est pas génial, génial. J'ai l'impression que ça va être une ouverture moyen. Ouais. L'Alpha, pareil. Encore un passe rouge. Encore un passe rouge. Le Chenipote qu'on a déjà eu. Bah oui. Ouais. Le Nirondelle aussi. Le Dinavolt aussi. On l'a pas eu. On l'a pas eu. Mais bon, rien d'exceptionnel non plus. Les Inspirited Rage. Franchement, c'est ouf. C'est beaucoup de fois la même carte. Le Colombo. On a des vrais. Oh, reverse. L'évolution de mince, la mouette là, comment ça. Goélis. Ten Full Art. Et je l'ai pas. Ah bah c'est cool ça. La 102. Elle est vraiment belle en fait. Je l'ai. Tu l'as ? Je jure, je l'ai en neuve. Ah, c'est une des seules ultras que j'ai, cette Full Art. Eh, c'est dommage parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment elle est très, super très belle. Ouais. Avec le japonais, elle est magnifique. La seule ultra que tu chopes, je l'ai déjà. En plus, une Full Art, la classe et tout. Je me tape que de la merde depuis le début, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc tu mérites bien d'avoir une belle carte. C'est ça. J'aurais quand même préféré avoir une carte que tu n'avais pas. Quoi. Bravo quand même. Bah, donc, merci, il merci. Faut que je batte, en gros, une Full Art. On fait l'échange avec un tour de magie. Bon bah c'est à moi d'ouvrir, donc on risque d'avoir beaucoup de doubles, hein. Je risque de passer assez vite les cartes. J'ai commencé par le Latios. Donc on commence avec un petit Natu qui est une autre illustration, voilà. Elle est jolie aussi. Oh, Ningal, ou Ningal, je sais Ningal. Pas. Ningal, moi je dirais Ningal. Scorplane qu'on a déjà eu. Le petit Volta, cool, première génération, électrique donc tu dois aimer. J'aime aussi. Le petit Sceptre qu'on a eu tout à l'heure, le petit mode coco, tu vois c'est beaucoup de répétitions du coup, Déflaisant, Electric. En reverse on a du coup une carte dresseur, l'échange. Une Alpharte, j'ai l'impression, la 81 sur 108. Ok, Déflaisant. Du coup, le plongeon est plutôt sympa, moi. C'est joli, et je ne l'ai pas. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. On continue avec le Mega Rayquaza. À l'époque, les boosters, ça s'ouvrait trop facilement. Togepi, qu'on a déjà vu, voilà. Hein. Le 9 aussi. Le Nirondelle, hein. Le Dinavolt aussi. Le Drabi aussi. Oh, elle est plutôt jolie. Ouais, carrément. Hein. Elle est plutôt sympa. Notre coco, j'ai pas déjà eu là dans le. Ah non, c'est dans celui d'avant. Ok, ouais. Parce que je me disais, what the fuck, les amis. Alizé, ok. Il existe, je te l'ai dit, en ultra, en full art. Moi, je vois les autres, tu vois les autres. Ah oh, Togekiss, l'évolution de Togepi. Mais j'aime beaucoup l'illustration. Je trouve que ça te va carrément, quoi. Et attention, on a la 48 sur 108 qui est Trousselin. C'est nul. Voilà. Bon, et bah écoutez, les amis, c'est pas ouf. Hein. Togepi, la même début de booster que tout à l'heure. Hein, c'est très bien. Toujours pareil. Le 9, hein, toujours quoi. Pareil. Le mini Draco. Ouais, non, mais décidément, il y a vraiment énormément de doubles hein, sur les XY. Hein. Dinavolt, on a dit, on l'avait déjà. Nirondelle, on l'avait déjà. L'Exprint, on l'avait déjà. Le Corée de Dresseur, on l'avait déjà. Le Lien Spirit, on l'a déjà. Le Ningal, on l'a pas eu en reverse, mais bon, voilà. La 13 sur 108. Victini, qui est même pas une holo. Pourtant, elle est magnifique, cette carte. Togepi. Encore un Togepi. Décidément. Ningal, ou Ningal. Putain, c'est pareil. Ah! Un solo dos. Notre première pâte à modeler. J'aime bien les pâtes à modeler. Encore un Goélis. Goélis. Et encore un Miracle. Ah, une énergie spéciale. Hyper Ball, ok. J'ai que Dresseur. Alors là, c'est la fête, là. Drattax, en reverse. Ouais. 57, qui est une holo. Que je n'ai pas, d'ailleurs. C'est plutôt cool. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Attention. La 47. Ah ouais. C'est pas... J'ai gagné du coup. Ouais, t'as gagné, ouais. Ouais, bon. J'ai gagné. Il a la Mega Latios X. Je suis un peu deg parce que voilà, c'est la Full Art que j'avais déjà. On a eu énormément de doubles, quoi. Bah oui, et puis c'est ma seule ultra, quoi. Entre 98 et 108, les 10 dernières ultras, je vous parle donc des Full Art et tout, c'est la seule que j'avais. Si jamais vous avez une autre ultra en échange à me proposer, on peut échanger si vous l'avez pas, avec pourquoi pas, avec plaisir. Faites-moi signe dans les commentaires parce que là ça me dégue un peu. Bravo à toi en tout cas pour ton ouverture. Ouais, t'as quand même réussi à choper une Full Art. On vous fait des gros bisous. Vous avez eu une super intro. On va dire que ça rattrape le truc. Des gros pouces bleus pour Pilou. Carrément, ce serait sympa. Et puis laissez-nous un commentaire donc si vous voulez échanger ou pour nous dire quelle est votre carte préférée qui a gagné, mais bon c'est forcément lui qui a gagné. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Pour nous dire justement que bah ça vous plaît les petits courts-métrages au début. Pour plus de trucs comme ça, bah abonnez-vous. Ça ouais. Pilou reviendra très prochainement pour une autre ouverture, autre chose, vous le verrez, ouais. On dit pas quoi. Gros bisous à tous, ciao. Allez, salut. On va aller se coucher, on est fatigué. Il va aller se coucher, il est fatigué. Ça te va ça? C'est bien ça. Ouais, je pense que c'est bon.